Il y a plein de raisons, enfin plusieurs, évidemment toujours personnelles dans ce genre de choix. Il y a les interprètes, là, de cette fois, qui ont vraiment de l'importance, les sœurs Labeck. Parce que je les ai rencontrées, justement, la télé s'est fait pour ça, pour rencontrer des gens. Je les ai rencontrées il y a assez longtemps dans une émission et on est devenus amis. Il y a donc leur interprétation, ce qui est rare, ce duo toujours, et de sœurs, ce qui semble être quelque chose de toujours de parfait, comme un œuf qui se réunit. Ça, j'aime beaucoup ça. Évidemment, Bernstein n'est pas étranger à tout cela aussi dans mon choix. Ça correspond, quand la comédie musicale cinématographique est sortie, j'avais 16 ans à peu près, et c'était le choc aussi de ma jeunesse, c'est-à-dire avec une musique qui ressemblait à de la musique, disons, qui n'était pas rock, c'est-à-dire de la musique un peu bas de gamme, juste entre guillemets, on pouvait aussi faire un vrai spectacle d'aujourd'hui et qui avait de la gueule. Et j'ai découvert Bernstein, j'ai évidemment acheté le disque, ensuite j'ai racheté les compacts, et j'ai vu qu'on pouvait faire de la grande musique, donc d'aujourd'hui, qui fait vibrer les gens, vibrer des générations successives, on le voit bien avec la carrière qu'a eu ce film, et puis ce spectacle complet qui a été West Side Story, avec la danse, la musique, les voix, la mise en scène, c'était, je crois que ce sera quelque chose qui restera comme un repère de la deuxième moitié du siècle, comme quelque chose qui aura marqué des générations. On m'avait demandé une comédie musicale, donc je m'étais dit des chœurs, des cuivres, des violons, des cordes. Et j'ai commencé, je me dis non, c'est tellement bien, je vais la garder pour moi déjà. Et vous savez ce que c'est devenu? C'est une chanson qui s'appelle « J'ai rêvé New York ». Ça durait, ce thème, la chanson fait 5-6 minutes. Et puis, il faut du courage pour écrire une comédie musicale.